That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Oh, I could eat anything right now. Oh, I could eat anything right now. Et on n'avait pas déposé les bois, je sais, bon, on était quasiment mort. Oh, oublié de boire, évidemment. Alors, la dernière fois, nous étions... Donc, je vais faire un résumé, je sais pas encore comment ça va être découpé. Peut-être que ce sera le début d'une nouvelle vidéo, peut-être que ce sera en plein milieu d'une vidéo. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu, donc on avait récupéré ça. Très, très, très bon goût. Hein, c'est parfait, des porcs au faillot, alors déjà... Ça laisse à désirer, mais ils sont immangeables, donc ils sont rouillés, etc. Parfait, on a ça. Et on a pété des flèches aussi, c'est parfait, on va récupérer. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans notre petite excursion, on a failli crever déjà à cause du fait qu'on s'est fait attaquer par des loups. C'était top, c'était magnifique. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a pu récupérer deux jeunes érables verts et deux jeunes bouleaux verts, voilà. Des jolies branches qui vont nous aider à long terme, donc vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Donc on est début de la journée, il fait pas très chaud. Pas très chaud, non. Is eating itself, s'auto-dévorer. Ouh, s'auto-dévorer, ça a toujours pas été traduit bien, correctement, bref. On est début de journée. Que faire? Alors, mon but, parce que maintenant on a un but, enfin on a toujours un but, plus ou moins, mais des fois il est un peu plus gros que d'habitude. Et notre but, cette fois il est gros, je voudrais attaquer les ours. Je voudrais tuer les deux ours qui se baladent en fait. Un qui est à notre camp et un deuxième qui est ici. Je voudrais faire ça. Voilà, je voudrais faire ça, si c'est possible. Alors, le problème, c'est que... Il va nous falloir de la vie. Ça, c'est du loup cuit. Vas-y, moi, je m'en vais. Le problème, c'est que il va nous falloir de la vie. Un peu plus que ça, parce que là on est à 42%, c'est très bas. Donc à la limite, je dirais que aujourd'hui déjà on va déposer les petits bois. En fait pour qu'ils sèchent, parce qu'on va passer quelques heures ici, je pense. En fait ce qu'on va faire c'est que... Je pense qu'on va faire ça. On va casser du bois. On va peut-être en récupérer à l'extérieur. Hop. On va récupérer quelques ressources, je pense. Et après, bah, j'ai pas grand chose vraiment à faire. On a énormément. On a énormément de viande. On va un peu voir. I could eat a horse. On peut voir le temps. On a énormément de viande. On a de l'eau. Ça va. Par contre, le problème, ça, c'est le bois. Ouais, avec un moins 35, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Hein. Avec un moins 35... T'es assez limité quand même. Prends Taurès, merci. I need something to eat. Non, t'as pas besoin de manger. Oula, viens ici.
Ouais. On n'est pas loin de la maison, hein, y a pas de problème. Hein. Mais on va pas pouvoir vraiment se balader. Je vais juste voir si on peut pas récupérer quelques branchettes. Branchettouillettes. Et on va continuer à casser du meuble, en fait, je pense. En fait, je pense... Il y a un lapin là-bas. Pas l'air d'avoir grand-chose. Allez, on rentre. On rentre. Je pense que... Ouais. Ça serait la chose qui nous aiderait le plus, en fait. 3 heures. 3 heures, ouais. Ok. Plus de vent. Donc le temps doit être beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance? On rentre à la maison? Je pense qu'on va rentrer à la maison. Voilà, allez, on y va. On va rentrer, on va récupérer encore un peu de bois autour de la, du camp. Ah, il fait bon en plus. On est 7 minutes pour faire des branches. Ah, il faut des bois plus gros en fait. Oh, la vache! Oh, qu'est-ce qu'on fait? On pêche? Ah, le loup, il est là-bas. Putain, il est loin, le loup. Oh, oh. Hop. Hop là. Voilà, donc il y a celui-là de... Non, j'ai dit loup, c'est ours que je voulais dire. Il y a celui-là, et celui-là qui est dans les collines un peu plus haut, là. Enfin, des fois, il descend, des fois, non. Mais je crois que dans cette zone-là... À l'autoroute, il y en a 2-3. J'ai envie de faire du feu. Oh merde, il y a plein de loups. Oh, c'est embêtant ça. J'ai envie de faire du feu. Ou alors on va pêcher. S'il fait pas froid non plus, donc on peut pêcher gratuitement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va tester la pêche. On va voir. Je veux voir déjà si on arrive à être positif en fait. Je crois pas, je pense pas. Non. Non, non, non. Mais on pourrait faire du feu. Avec la loupe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en profite? Vous voyez un peu le dilemme? Oh, c'est emmerdant. On dirait Hannibal Lecter. Non? Un peu. Un tout petit peu. Pas trop. Lui par contre il est sur mes traces. Lui on voit qu'il trottine. Et il est dans ma direction. Il courbe cette espèce d'enf... ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok. Bon, du coup, on va rentrer d'abord. On va rentrer, on va poser les bois pour qu'ils sèchent. Et après, on va poser aussi les branches pour qu'elles sèchent aussi, du coup. Et après, je pense qu'on va se balader. Est-ce qu'on fait un feu ou pas? C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'on en profite d'un feu gratuit pour de l'eau? Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça mon interrogation. Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez? Un truc qu'il nous faut aussi, que j'ai pas, c'est des charbons pour dessiner. Je voudrais bien dessiner un peu la carte, moi. Et là, à chaque fois, j'en ai jamais sur moi, apparemment. J'ai dû les virer tous. Et j'ai dû complètement oublier d'en reprendre. Ah non, non, refais pas encore Hannibal, s'il te plaît. C'est bon, je sais, il fait froid, machin. Ah, très bien. Alors, du bois.
bois, du bois, du bois. Tac, 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 tac. Tac, tac. Boyau frais. Non, boyau frais, cela on les garde. Ça sera. J'aurais pas dû mettre tout à côté, merde. C'est pas grave. Non, 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 là, 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 ça, là-bas. Celle-là, on le garde, le boyau frais qui est sur nous. Pourquoi? C'est pour faire. L'utiliser en tant que appât. Voilà. En tant que appât. Fût de flèche. Ça. Après, on avait ça, ça. Tac, tac. Du métal. On en a 7. What? Ah! Alors attends. Du métal ici alors. C'est embêtant ça! 5 kilos. Ouais, ça va. Ça c'est bon. Ah ouais, on n'a pas du tout de feu en fait. Pas du tout de bois. Ouais, non, bah ouais, au final on va garder le bois de côté. De toute façon, c'est pas les allumettes qui manquent. On a un peu d'eau en réserve. Ça va. On va se débrouiller. Enfin, c'est pas urgent. Ça va, c'est pas urgent. Oh putain, regardez-moi ça. Ah, on a de la viande ici aussi à brûler. Et sinon, ça va pourrir. Ah bah voilà, bah, c'est fini de toute façon. 8. Alors attendez, ce que je veux faire, c'est ça. Hop là, prendre charbon. 23. Peut-être un peu beaucoup, non? On va aller en déposer. Mais c'est des pierres. Ça pèse combien le charbon? Charbon, ça c'est pour écrire. Eh ouais, quand même. On va en déposer 20 au moins, minimum. Voilà. Voilà. Et on a encore deux pièces à manger là, deux pièces de viande à faire cuire. Oh, j'avais complètement oublié ça, 20% à 20 degrés. Je serais content s'il faisait 20 degrés. Faites voir un peu la map. La cabane. Mais j'ai pas dessiné ici, apparemment. Voilà, très bien. Ah ouais, parce qu'il faudrait quand même un peu dessiner. Voilà, on va récupérer le bois vite fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes hein, les jours passés. Enfin, même ce matin, il y a eu encore une tempête. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de bois. On peut voir, là, il y a plein de bois. Qu'on pourrait casser, mais ça prend du temps. Je crois qu'il faut minimum des bois comme ça, là. Des gros, des larges. Pour récupérer du bois de sapin ou de machin. 1h30, bois de chauffage sapin. 1h30, c'est trop. C'est trop. Mais bon, c'est un des... Je crois que... Je sais plus si c'est le sapin ou l'autre. Mais il y en a un des deux, c'est un des meilleurs bois en fait. Il pèse pas lourd, il pèse pas extrêmement lourd. Et il vous donne plus ou moins le meilleur temps pour de chauffage, le temps de chauffage. Et la puissance du feu en fait, la chaleur du feu. Je sais que le mieux c'est ça quoi. Après moi ce que je suis en train de faire, d'utiliser des branchettes et tout ça. Et des morceaux de bois qu'on trouve en cassant des immeubles. Arrête de parler en même temps que moi, merci. Je fais ça parce que, bon, c'est plus facile, mais c'est pas le mieux, quoi. C'est pas le mieux, en tout cas. Je pourrais détruire la table, 2 heures. C'est bien, ça, la table. Comme ça, après, on dort, et le lendemain, combat. Combat de loup. Donc, s'il vaut, c'est la fin. S'il faut, c'est la fin de notre vie. C'est possible aussi. Voilà.
très bien. Je crois qu'on va pouvoir bientôt aussi commencer à travailler sur nos vêtements en plus. Mais je suis pas extrêmement sûr encore. Ouh, fait pas froid. On va se mettre là par contre. On va se mettre, se cacher là. Et on va... navigation. Tac, tac. Hop. I will die if I don't get food soon. Donc elle a... maison côtière. Je sais pas comment elle est faite la map. Comment elle est... dans quel sens elle est tournée. Elle est bizarre un peu la map. Je crois que je me suis pas assez... éloigné du point. Je sais pas. Faut aussi qu'on fasse du café. Parce que ça je l'avais dit, mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps. On n'a pas vraiment eu le temps avec toute la viande qu'on a dû cuire, etc. Mais toujours avoir une tasse de café en réserve, ça c'est important aussi. Parce que vous avez vu la dernière fois, ça nous a quand même aidé. Qu'on devait rester éveillé un peu plus longtemps que d'habitude. C'est pour ça que bouillir le café, faire du café en fait en avance, ça aide. Ça aide beaucoup. Hop. Ah, c'est mieux là. Hot fire. Ça, c'est bien. Je pense que je vais commencer à faire ça doucement, mais j'ai quand même envie de d'avancer dans les jours et enfin non, j'ai envie de continuer à avoir plus de matériel pour les jours qui arrivent, parce que les jours qui arrivent en fait vont être de plus en plus durs. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce que la description du mode dit. C'est que c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus froid. Donc bon. Après, je pense qu'il y a quand même une limite parce qu'on va pas atteindre genre les moins 150 degrés. Ça serait un peu étrange. Mais voilà. Il faut quand même être préparé. Donc, il faut voir un peu la carte. Ok, donc là, on est là, je pense. Donc elle a noté tout ça. Si je me mets genre devant comme ça... Ah oui, mais non, là elle va plus rien voir. Je vais voir un peu. Ah si, si. Hop. Elle a dessiné un peu, mais pas trop. Ok, on rentre. On rentre, parce que sinon on va crever de froid. Il nous reste encore un peu de jour, donc je pense qu'on va... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Coudre. Coudre, ouais. Parce que là, ça c'est séché, séché. 89, 88. Ça c'est bon, ça sèche. 53, serre 38. Il nous faudrait un deuxième serre, comme j'avais dit. Ouais, j'avais dit, il nous faut plus de serres. Il nous faudrait 3 serres en tout. Donc 2 de plus pour faire un pantalon. Donc on a déjà les bottes et ça. Mais il nous faudrait un pantalon, ça serait bien. Et après, on va faire un manteau de peau de loup. Et après, on a aussi le manteau en peau d'ours. 4, 6, 4 ou 6. Non, je pense qu'on va rester en peau de loup. Et le truc important qu'on va faire, c'est ça. Le sac de couchage. Pourquoi? Alors par contre, j'ai un peu peur que le sac de couchage, pour le réparer, qu'on ait besoin de peau en plus. Mais bon... Parce que si vous regardez là... Alors c'est peut-être que des boyaux, mais on va voir. Réparer. Non, peau de cerf et boyaux. Là, peau de lapin et boyaux. Donc en gros, pour réparer notre sac de couchage, il va falloir quand même avoir une peau d'ours. Peut-être deux, parce qu'il en faut... Non, ça m'étonnerait. Non, une, je pense. Donc c'est peut-être un peu exagéré quand même. Un peu exagéré. Donc bon, c'est pas le truc qu'on pourra réparer souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, comme ça. C'est pour ça qu'à la limite, je préfère avoir des avis normaux. Parce que bon, là, c'est à 93, 97. On va réparer ça.
Parce que c'est plus facile à réparer, c'est plus facile à maintenir en fait. Alors que là, c'est la merde quand même. T'étais sérieux? Faut que je m'entraîne à la couture. Faut que je monte de niveau. Très bien. Oh, échec. Ah évidemment. J'aurais dû commencer par ça en fait. J'aurais dû complètement commencer par ça. Par le manteau, le grand manteau. Ça c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on est toujours... On a toujours 1%, donc on va pas remanger de la viande dangereuse. Ça c'est la viande la plus... la meilleure état. Et ça c'est celle en meilleur état je crois. Et après à l'arrière du bâtiment c'est celle qui est en moins bon état on va dire. 800... 300... Très bien. Par contre, pourquoi j'ai... Ah oui, non. On a les boyaux sur nous, c'est vrai. Ok. On va manger, boire. Et on sera bon. Aussi, qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ouais. Donc, il faudra faire la... On a vite dit la cape. Ouais. Je pense que là, on arrive à un point où c'est qu'on va pouvoir se balader. C'est que il me faut la cape en fourrure d'élan. Bah, ça va aider. Ça va énormément aider. Je voudrais, bien sûr, la sacoche. Mais bon, on peut pas. La fourrure, la cape. La cape. Le manteau. Ça aussi, on va pouvoir le faire bientôt. Et après, on va faire le sac de couchage. Et une fois qu'on aura le sac de couchage, hop, on va pouvoir partir à l'aventure loin. Genre vraiment se balader parce qu'on pourra dormir où on veut. Et on aura des bons vêtements. Tout ça. Donc. Et puis on a un arc, des flèches. Donc je veux faire ça. Je veux commencer à vadrouiller un peu. Ça fait un peu chier de laisser les choses ici. Mais on fera un tri, tout ça. Enfin voilà, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais on va faire ça. On va faire ça. On va faire complètement ça. Donc voilà, donc le but là c'est vraiment d'attaquer les ours. On va voir, on va faire comme l'élan. On va faire comme l'élan, c'est-à-dire on va utiliser le terrain. C'est peut-être la fin. C'est peut-être ma dernière nuit. C'est peut-être ma dernière nuit. À jamais. Au revoir. Et on se lève. Alors, je vais pas le cacher, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Car en fait, j'avais joué une longue session. Et du coup, après, j'ai arrêté en fait. Donc, mais je sais qu'on voulait aller tuer les ours. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va poser ça. J'ai l'impression qu'il fait du mauvais temps. Mais en tout cas, on est bon. On a faim, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. On a combien? On est à 60%. On a des flèches. On a des flèches. On est bon. 5, 6, 7, 8 avec celle-là. Ok, on va voir un peu. On va voir un peu. Mais le but, ouais, c'est de attaquer les ours. Je voudrais récupérer leur peau. Alors on a ça. Là, on a toujours deux viandes. Mais faudrait les faire parce que 18%, elles vont être pourries en fait. Il fait 31 degrés. Moins 31 plutôt. Parce que s'il faisait 31 degrés, je serais content. Je serais très très content. Alors on a deux ours. On en a un en haut ou un 1. Enfin le problème c'est que celui-là là-bas là qui est au fond là. Dans la... près de l'île.
il est souvent dans la glace. C'est ça le problème. Et du coup, bah, ça rend la truc un peu dur, quoi. Fait dans la glace. Je veux dire sur l'eau, en fait. Voilà, sur la glace. Donc il n'y a pas vraiment de lieu pour se protéger, rien du tout, quoi. Alors que là, on a du relief. Torres, ta bouche. Je suis en train... Je suis en train d'essayer d'écouter où pourrait être l'ours. Voilà. Alors par contre, j'ai aucun moyen de... On va réfléchir. Comment... Oh putain, oh, elle m'a... Il y a des joueurs comme ça, elle m'a déjà saoulé. Torres, elle m'a déjà gavé. Putain de merde. Désolé, on va se reconcentrer. Il y a l'ours. Qu'est-ce qu'on fait? Si on le tue là... Le problème, c'est qu'il va falloir faire un feu. Ou alors, on prend les sacs et on les ramène quoi à la maison. Putain, mais ça va être chaud. Oh la vache. Ouais, parce que les sacs, ils vont peser lourd. Attention. Parce que là, on va avoir, je crois, autant de nourriture que l'élan. Bon, le problème, après, c'est que je crois que c'est de la nourriture carnivore. Et du coup... Bah ça va pas, on va pas pouvoir la manger quand on veut quoi. C'est ça le problème. Mais bon, comme j'ai dit, le plus important c'est la peau, les boyaux. Ah, il est là. La peau, les boyaux. Le truc c'est que là je peux pas vraiment. Attendez. Peut-être une idée. Est-ce qu'on... Je crois pas. Non. Peut-être. Ah merde, ça aurait été bien. Ah, ça aurait été cool. Alors on lui met des flèches de loin et on rentre dans le bâtiment. Faudrait que je me mette sur le toit. Ok, alors fais voir. Oh la vache. Ah ouais, pas content. Et je l'ai bien tiré la flèche. Hein. Ah, je l'ai bien tiré. Elle était belle. Hein. Elle était très très belle. Elle était très très belle. Bon, par contre, c'est super dangereux de faire ça parce que tu... on sait pas s'il est à la porte. On sait pas si. Enfin, on sait rien quoi. Là, c'est petit bonheur la chance. C'est con. C'est pas vraiment une très bonne technique. Enfin, bref, on va voir. Ah, il est juste là. Oh putain, j'ai eu peur. Il est juste là. Oh la vache. Oh putain. Ah ouais, là c'est un peu con là. Là c'est un peu con. Qu'est-ce qu'on peut faire pour patienter? On va faire ça. Voilà. On est reparti. Ok, on a récupéré la flèche déjà, c'est bien. Moins 16. Bon, il est passé où? Ah, il est là, ok. Qu'il s'avance un peu parce que
ça court vite, hein. On dirait qu'il est sur roue, le truc. Faut qu'il s'avance encore un peu. Ok. Ok, cool. Yes. Ok. Alors la question c'est, est-ce que ça marche de faire ça, ou alors sa vie reset à chaque fois? Alors je pense que non. Je pense qu'au bout d'un moment il meurt. C'est comme si c'était un mec, enfin un animal blessé, il se vide de son sang, quoi. C'est comme les loups, tout ça, ils font pareil. Donc je pense pas, mais c'est vrai que c'est dangereux de faire ça. Allez. Oh, il est là. Oh, oh, oh. Je me demande si on peut pas lui mettre une flèche et rentrer dans le mobilhome. On va voir. Oh merde. J'ai dégainé trop vite, j'ai dégainé avec avec la pierre. C'est énorme, c'est énorme. Ok. Oh la vache. Merde, j'ai eu déchirement des vêtements ou pas? Ah merde, est-ce que c'était dans le jaune? Ah, je sais pas si ça a compté. Ça fait chier. Ah putain, j'aime pas quand ça fait ça le jeu. Oh la vache. Ok, il était à travers moi. Ok. Je sais que c'est vraiment débile la façon dont je le fais, mais... si ça marche, hein. Ah ouais. Il est juste là. Il gueule un peu fort aussi. Oh mon dieu. On est reparti. Oh la vache. Bien. Contusion grave. Est-ce qu'elle s'est vraiment produite, la contusion, ou... 41-34... Alors, le problème qu'on a, en fait... Ouais, on a perdu de la vie, 42%. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, elle met du temps à bander l'arc, des fois. Le temps qu'elle réagisse, ça marche pas vraiment. J'ai remarqué. Donc, j'arrive pas vraiment à tirer... Parti. Oh. Ah ouais. Il a reset, quoi. Mais je sais pas avec s'il a perdu. Je regarde s'il n'y a pas l'autre flèche, en fait. Je sais pas s'il est pas. Ben là, il est mourant, quoi, non? Ça m'embête de pas savoir ça, en fait. S'il faut, on fait tout ça pour rien. Genre, on perd notre temps, là. Hop. Ok, très très bien. On a encore 5 flèches. C'est pas beaucoup, hein. Ok, bien, bien, bien. C'est pas mal, c'était pas mal. On a plus que 4 flèches. Ok, c'était cool. Ok, ok. Ce qui est bien, c'est qu'on est devant le mobilhome, donc on va pouvoir faire du feu facilement, quoi. Si vraiment on le fait là.
C'est pas loin de la base non plus, hein. Oh, yes. So cold. So cold. On l'a vraiment tué. Oh, c'est énorme. Ok. Prends la flèche, bordel de... Ok, alors... une fourrure. Combien de fourrure pour la dépecer? 30 minutes. La viande, c'est pas de la bonne viande. Si on fait ça, c'est 2 heures. Je peux pas réfléchir sous le stress. Alors. Maintenant, il faut faire un choix sur ce qu'on doit faire. On a 39%, on a froid. Je dirais qu'on récupère la peau. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va récupérer la peau maintenant. Parce que sinon ça va geler. Et on rentre. Ok, cool. Pas la... Ah. Yes, cool. 4%, ouais, il y a déjà 4%. Alors hop. Oh la vache, oh la vache. Ok, ça fait mal. Oh la vache. Ouais, c'est tombé quoi. Ok. On part. On va poser la peau, manger, boire, dormir, je pense. Et après, il va falloir décider. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe l'ours. Genre, on fait un feu. Parce que si, il va être gelé, en fait. La carcasse va être gelée, donc on va rien pouvoir faire. Donc, on dégèle la carcasse. On fait un feu pour se tenir au chaud près de la carcasse. On la découpe. Et on la ramène doucement à la base. Genre là, comme ça on est tranquille, en fait. C'est tout sur le chemin. On peut faire ça. Ou alors, on fait un feu là-haut. On cuit tout là-haut. Et on descend les... Ouais, bah ça serait quoi? Descendre les choses petit à petit, en fait. Non, je crois qu'on va faire des sacs. Je crois qu'on va faire des sacs. Je pense que c'est le mieux. C'est complètement faire des sacs. Ouais. On va faire ça. Allez. On va d'abord réparer des trucs, vite fait, les vêtements. Puis après, on va manger, boire. Voilà, très bien. C'est à l'arrière. Non, c'est à l'avant. On va manger du machin, comment ça s'appelle, du loup. On va manger du loup. Ah, très bien. Après, on a tellement de nourriture, quoi. Ouais. On a tellement de nourriture que même de manger du loup, genre se faire chier à manger du loup avant que de manger le reste, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça, quoi? Enfin bref. Allez, on va dormir le plus possible. De toute façon, elle va se réveiller, je sens. Elle va se réveiller parce qu'elle est pas fatiguée. Mais après, on prend du bois pour faire un feu au moins de 2 heures, voire un peu plus. Et on dégèle tout, on coupe tout et on ramène tout à la maison. Puis après, on avisera, en fait. Ouais, on va faire ça. On va aviser, c'est ça le problème. Enfin, c'est ça le but, quoi. On va aviser. On va prendre 2 trucs comme ça, juste au cas où. Voilà. Je vais voir un peu le poids. 30, ouais, c'est bon. Allez, dodo. Et après, à la découpe de l'ours. Là, on se réveille. Ok, on a
pleine nuit. On est prêt. On a du bois, je crois qu'on a assez de bois. Dans un sens, je me dis que peut-être on n'a pas besoin de ça en fait. On a 31, on va prendre le reste. Hop, 33. On va prendre le reste, 33. Ouais, allez, on y va. Donc, comme j'ai dit, le but, ça va être... déjà, on va peut-être prendre ça. La viande, juste au cas où. Il fait extrêmement froid, ça va. On va faire... oh putain, j'ai horreur de ce temps-là. Dégueulasse. Ah. Bon, moi, j'arrive à y voir. Mais encore, faut que je me concentre un peu. Mais en tout cas, oui, on va... on va faire du feu, 2 heures, j'ai pris les 2 morceaux de viande en fait pour les cuire. Le temps que la carcasse en fait dégèle grâce au feu. Et puis après gros go découpage. Découpage. Ok, on est bon. Découpage de la carcasse. Désolé, j'ai dû me mettre un peu un petit moment. Ok. Yes. Hop. Ok, on a... Non. Il y a du vent qui se lève? Non. Non, 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 ok, ça va. On n'a pas pris de charbon. Charbon, ça aurait pu aider. Ça aurait pu beaucoup aider, même. Enfin, c'est pas grave. Right. I can't feel my feet. Allez. Yes, yes, yes. Non, non. Ok. Merde, le feu il est pas assez fort. J'ai fait le con, le feu était pas assez fort. Oh, pas grave. Ok. 2 heures. Oh, starving. Ok, on est bon. Très bien. 59% dégelé. Hop. Je tente que ça aille plus vite en fait. Hop, très bien. Fait bouillir. Ok, très bien. 45%, c'est bon. Je crois. Ouais. Alors, on a fait cuire la viande. Je pense qu'on va la manger. Ouais. Comme ça, on va pas mourir de froid. Alors là, je me dis, est-ce qu'on essaye de faire un feu plus gros et on essaye de tenir le feu ou pas? Ou pas du tout. Et on le transfère chez nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Enfin, je sais pas. Si, par exemple, on fait ça. Voir un peu, genre 10 unités de boyaux, ouais, c'est quoi? 2h15. Si on prend la viande. La viande, c'est peut-être. C'est une. 15 kilos, 2h. À peu près. Ouais, non, on va découper.
On va découper, ouais. Allez. Bah découpons. Qu'est-ce que je te dise? On va utiliser la scie, je pense. Parce que la scie, on peut la réparer. Non. Ça alors? Oh, le feu qui s'est éteint. Une heure. Moins 4. Voir 34. Ah non. This pack is getting kind of heavy. Ah merde. Ah cool, cool, cool. Oh merde. Il y en a deux. Oh putain. Putain, je vois que dalle. Fais voir un peu ça. Combien il y a de viande? Il y a 5 kilos de viande par sac. Ça, c'est bien. Là, on en a 10. C'est la moitié de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas pouvoir dormir, en fait. Enfin, on peut. On peut complètement dormir, mais elle va pas dormir parce qu'elle est pas fatiguée. Ouais. On va voir si on peut pas faire autre chose. Ah putain. Je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Alors à la limite on pourrait passer du temps. On va jeter tout ça. Boyau frais, on l'a dit qu'on le gardait celui-là. On ouvre le sac. On recycle. À la main. Et du coup, viande d'ours. Ah, elle prend le goût de ce que l'ours avait mangé. Ah, c'est dégueulasse comme description. Ah, c'est dégueulasse comme description. On va faire ça. Là, on va sortir, on va poser la viande. Ah merde, je me suis pas baissé. Ok, on est bon. Hop là. Et maintenant on dort. Voilà. Du coup, on n'a pas dormi longtemps parce qu'elle n'est pas fatiguée, comme j'avais dit. C'est pas grave. On va prendre le reste. Merde. C'est un peu con de rien voir comme ça. Ah, j'ai pas la lampe sur moi. Merde. Désolé, mais on va tatiner un peu juste pour être sûr. Combien on en a? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque un, non? Ah non, l'autre il est à l'extérieur, c'est bon. Alors, hop, 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 hop.
voir moins 29 là. Ok. La descente, ça va. Parce que la descente, on tombe directement sur des habitats, donc les maisons et tout. Ok. Très bien. Ok, très bien. Alors. Cool. Très très bien. Alors on va se mettre... on a ces boyaux séchés, c'est cool. On va encore en rajouter. On va en mettre dans ce coin-là. Ah, alors, boyau. Tac, tac, tac. Et on garde celui-là sur nous. T'en as. J'espère que ça fait pas glitcher. Hein. Si vous savez, si vous avez déjà fait ce genre de choses, genre poser 50 boyaux au même endroit, dites-moi si ça a déjà glitché. Parce que j'ai un peu peur. Franchement, honnêtement, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on perde les choses. Comme ça, quand il y en a trop en fait. Ça m'étonnerait, hein, le jeu est bien fait pour ça et tout ça, donc ça m'étonnerait grandement, mais... ça, vous savez, hein, on a un peu peur des fois. En tout cas... Ça... Voilà, on récupérera nos outils après. On va récupérer encore les sacs. Tout temps qu'on y est, pourquoi pas le faire. Mais sinon, voilà, on a le plus important. C'est-à-dire la peau. Ça, c'est vraiment la peau. Et après, les boyaux, ouais, il y en a beaucoup, donc ça, c'est cool. Parce que les boyaux, ça fait du fil. Et on en a aussi besoin pour recoudre certains vêtements. Alors, attendez... Là-bas, je crois. Je sais pas. Je pense que les loups sont partis. Je pense que les loups sont partis. Ok. Reste encore deux sacs. Honnêtement, je sais même pas si ça vaut le coup d'aller le récupérer. Ouais, pour être honnête, je sais même pas si ça vaut le coup. On va passer par là cette fois. Ouh. C'est stressant parce que là, fait froid, on est lent, on peut se faire attaquer. On a vraiment, vraiment très, très peu de vie. C'est chiant. Va falloir qu'on fasse du feu encore. Ouais, je pense que là, ça va être encore une fois le coup du feu. Mais bon, après, c'est de la viande. Enfin, c'est pas de la viande qu'on va manger, quoi. Je sais pas.
Ça m'embête.